travailler aussi avec le réseau, enfin, et avec la tête de réseau, pour leur convention nationale. Alors, pour l'organiser, ça, c'est une chose, puisque c'est un très fort moment, même le plus fort moment de communication interne d'un réseau, mais aussi sur le contenu, dans le sens, la présentation du contenu, la façon de dire les choses, le choix du lieu en fonction de là où on est, le réseau, de son développement et de ce qu'elle veut faire, de ce que le réseau veut faire passer. On va aussi travailler toute cette façon-là et tout le développement, par exemple, ils veulent parler de 4 sujets très différents lors de la convention. Ils ont des choses à lancer. Quelle est leur priorité? À quel moment on fait passer telle et telle information en fonction de tout ce qui se passe dans la convention? Qui le présente? Comment on le présente? Et qui, on va même parfois jusqu'à dire, on peut le dire à des réseaux, écoutez, telle personne, nous on l'a vu présenter des choses, soit il faut qu'elle se forme, soit il vaut mieux pas qu'elle le présente, parce que ça a plutôt un côté négatif. La convention nationale, c'est l'incentive, donc c'est l'opération de motivation par excellence. Donc il faut absolument que lors de cette convention, tout soit vraiment, je dirais, travaillé jusqu'au bout, du bout des choses, pour apporter l'information et le dialogue, parce qu'il faut toujours des moments de dialogue dans une convention. On ne peut pas dire à un réseau, on vous reçoit en convention, on ne fait que vous donner de l'information et il n'y a jamais de retour. C'est un moment de dialogue entre le franchiseur et ses franchisés, et c'est aussi un moment très important pour que les franchisés se parlent entre eux. On travaille complètement avec le franchiseur déjà sur sa stratégie, sur ce qu'il souhaite faire passer comme information, sur ce qu'il a à dire. Et on travaille avec le franchiseur sur tous ces éléments-là. Et après, nous, on le conseille. Bien entendu, le dernier décideur sera toujours le franchiseur. Et c'est normal. Mais on apporte aussi notre regard extérieur, justement. Et parfois, c'est bon que le franchiseur ait quelqu'un de l'extérieur qui voit les choses, qui sentent les choses, qui puissent aller à des réunions régionales, justement, faire ressentir ce qui se passe entre le franchiseur et ses franchisés. Bien entendu, comme je vous disais, c'est le franchiseur qui décide en dernier lieu, et c'est le franchiseur qui sait quand même quel thème il veut aborder et quels sont les éléments importants qu'il doit présenter à ses franchisés. Quand dans les structures il y a un service communication, notre contact direct, c'est le service communication. Il n'empêche que, alors pour la convention en particulier, souvent on travaille aussi avec le directeur qui lui va être un peu le maître du jeu ou l'animateur de la convention. Et on est aussi là pour conseiller. Parfois, il y a des franchiseurs qui sont très bons franchiseurs, mais qui ne sont pas des gens qui, au niveau de la direction de la franchise, qui aiment parler en public. Donc là, on va aussi voir comment l'aider à parler en public, comment le présenter, et peut-être comment lui amener un animateur totalement extérieur qui va faire le lien entre les différentes personnes et qui va, lui, l'aider à s'exprimer et lui permettre d'être présent et de donner les bonnes informations au bon moment à ses franchisés.